J'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis ou étaient réunis pour faire un bon stage. On a un magnifique château juste pour nous. On avait une salle de sport du muscu fonctionnelle, une belle pelouse pour s'entraîner, une bonne météo, quasiment tous les joueurs, voilà, un effectif quasi complet. Donc voilà, on a pu travailler vraiment comme il le fallait. On a souffert hein, aussi par moment, mais bon, le stage aussi, il sert à ça. Et voilà, il y a aussi eu des très bons moments où on a beaucoup rigolé et tout ça. Donc vraiment, le bilan, il est positif. Alors, ouais, là, on est sur la troisième semaine de reprise. Il fallait que ce soit progressif parce qu'on a connu une longue coupure. Et le sentiment, c'est que on a très peu de petits pépins physiques ou de blessés. Et ça, c'est important que tout le monde puisse réapprendre à refaire les efforts, à réhabituer les corps aux charges de travail. Et le staff a bien fait son boulot. Et moi, je suis content de cette prépa pour le moment. Les 3 premières semaines ont été progressives. Et j'espère que voilà, ça va encore continuer et ça va encore monter crescendo. Pour le moment, je suis content. Ouais. Oui, ah bah oui, forcément, ça fait du bien de remettre les gants, de retrouver des sensations, de plonger. Parce que pendant le confinement, c'est des choses qui sont difficiles à faire. On peut faire du renforcement musculaire, on peut courir, mais après, vraiment s'entretenir en tant que gardien de but, c'est pas si simple que ça. Donc oui, alors pareil, on a repris progressivement et là, oui, on monte en puissance déjà depuis le début du stage sur l'aspect gardien de but. Et ça fait du bien, oui, forcément, et de faire des arrêts, de plonger, de se mettre des bonnes séances dans la tête, comme on dit, c'est bien. Oui, c'est important, le stage sert à ça. On a eu la journée de dimanche avec le VTT et l'acrobranche où on a passé une super journée, un peu fatigante malgré tout. C'était cohésion, mais il y avait du travail physique quand même derrière, masqué un peu. Et puis la journée un peu détente qu'on a connue avec le tournoi de pétanque et l'initiation de golf, de cuisine, le baby-foot humain, c'est vraiment une belle journée de rigolade. Et voilà, pour la cohésion du groupe, pour intégrer les nouveaux, pour se connaître davantage, il n'y a rien de mieux que des journées comme ça. Et forcément, on a pris énormément de plaisir à vivre ces 2 journées-là. Ah oui, les réveils à 7h du matin, je pense qu'on va s'en souvenir un long moment. On va en discuter quasiment toute la saison. On va parler de Jeannot, de tout ce qui s'est passé pendant le stage et tout. On va en reparler tout au long de la saison. Et forcément, c'est bien que le groupe a besoin de souffrir pour après que voilà, on retrouve de la solidarité sur le terrain. Et de refaire une préparation de match, de retourner dans le vestiaire, de faire un échauffement, tout ça, c'est des choses qui nous manquent forcément. Et la compétition aussi, même si ça reste un match de préparation, on fait ce métier pour ça. Donc on a hâte de refaire des matchs, hâte que le championnat reprenne aussi par la suite. Donc c'est un énorme plaisir de refaire les matchs. Là, en général, la préparation, les premières semaines, souvent les 2-3 premières semaines, c'est très physique avant que les premiers matchs s'enchaînent. Et après, une fois que les matchs s'enchaînent, les joueurs, on apprécie un peu plus cette deuxième partie de la préparation où il y a plus de matchs et on rentre dans le vif du sujet.